Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans le 28e numéro de e-Teachers. Salut Jeff. Salut tout le monde. Et ben voilà, on est bien content de vous retrouver après 15 jours d'absence. On tient le rythme, hein, c'est pas mal. Pour une émission, donc, logiquement, si on suit notre logique, avec un invité ce soir qui va nous parler bientôt de ce qu'il fait dans sa classe. On n'en dit pas plus, et qui va nous présenter tout ça. Avant, des petits retours, un petit gel, des choses à dire, à raconter. Il y a eu quelques petits retours. On avait notre ancien numéro, on l'a appelé Bonne année. Et ben alors, on nous a souhaité Bonne année, plusieurs, dont donc Claude H par exemple sur Google+, qui nous a souhaité le Bonne année aussi. On a eu quelques retours sur Twitter aussi de Jocelyne Bellico, JB Bellico, qui nous dit que c'est un podcast sur des sujets généraux liés au TIS. Elle nous a fait un petit coup de pub, donc merci à elle en tout cas pour ce retour. Merci aussi à certains qui savaient que j'étais inspecté la semaine dernière, qui m'ont envoyé quelques messages d'encouragement. Je les remercie en tout cas. C'est génial quand même la puissance d'Internet, je veux dire, franchement, on a pu souhaiter t'encourager à distance. Bon alors du coup, comment t'a encouragé Jeff? Il faut que tu nous dises comment ça s'est passé. Oh, ben plutôt pas mal, il n'était pas très parlant, mais l'inspecteur, pas très mais plutôt pas mal, voilà. Bon, surtout qu'il peut t'écouter. On dirait pas plus. Voilà, très bien. Super pour toutes les informations nécessaires, on dira. Voilà. Bien, bon, bah écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, si on veut réagir ce soir, il y a toujours, le chat n'est pas encore mis en place. Donc c'est Twitter avec le hashtag e-Teachers, tout accroché. Voilà. On regarde, on suit e-Teachers. Eh bien, c'est parti pour ce numéro 28, puisque nous sommes en plus le 28 du mois de janvier. C'est quand même exceptionnel. Bravo, c'était la blague, elle est faite. Et on avance plutôt que de se ridiculiser. Bien, ce soir, on a avec nous Stéven, qui va nous parler un petit peu Enfin, il va vous expliquer pourquoi il est là ce soir. Il a une pratique assez innovante de l'enseignement de l'anglais, puisque c'est bien un prof d'anglais. On s'est rencontrés encore une fois, toujours pareil, à Cyberlangue. On en parle souvent, mais voilà où j'ai fait la connaissance de Stéven. Et puis, on est bien content qu'il puisse nous présenter son projet ce soir. Salut Stéven. Salut tout le monde, bonjour. Vous m'entendez là? Ouais. Oui, c'est nickel. On t'entend très bien. Merci à toi d'être parmi nous ce soir. Donc, tu es basé plutôt en Bretagne, si je me trompe pas. Exactement. Ouais. Je suis dans les Côtes d'Armor, pas très loin de la ville de Rennes. Je suis à 1 heure de Rennes à peu près. Ouais. Voilà. Et tu enseignes donc, rappelle-nous. Donc, j'enseigne l'anglais dans un collège, donc le collège Jean Monnet à Bron. C'est un collège qui est un collège rural de à peu près 500 élèves. Donc je fais la totalité de mon service là-bas et en parallèle j'enseigne également à la maison d'arrêt de Saint-Brieuc depuis déjà 7 ou 8 ans. Donc ça c'est quelque chose dont on pourra parler peut-être un peu plus tard, mais c'est une autre manière d'enseigner, on va dire. Avant de rentrer directement dans ce qui nous intéresse, est-ce que tu peux nous parler en général de ta pratique et de ta relation avec les nouvelles technologies? Parce que c'est vrai que souvent on n'a pas tous le même passé. Certains d'entre nous ont toujours aimé la technologie avant d'enseigner. Certains, au contraire, sont venus à ça par nécessité parce qu'ils avaient besoin d'avancer dans leur pratique. Et comment tu te positionnes, toi? Comment tu es arrivé à utiliser toutes ces... Je ne me suis pas vraiment posé la question, en fait. J'étais pas... au tout début, j'enseignais pas depuis très longtemps. Ça fait allez, on va dire, 8-9 ans que j'enseigne. Au début de mon enseignement, j'étais pas un geek particulièrement. J'utilisais un ordi comme à peu près tout le monde. Et petit à petit, je crois que je m'y suis mis par obligation dans un premier temps, et puis je me suis pris au jeu. Mais ce qui est certain, c'est que on en a parlé tout à l'heure, je me suis auto-formé, quoi. J'avais pas de prédisposition particulière pour utiliser les nouvelles technologies. Je me suis vite aperçu que il y avait un intérêt à utiliser les nouvelles technologies. Je me suis posé beaucoup de questions, comme tous les collègues, à savoir comment est-ce que on peut, on va dire, optimiser l'utilisation des TIS en classe. Et puis petit à petit, j'ai testé énormément de choses et puis jusqu'à réussir à trouver un mode de fonctionnement qui me corresponde et aux élèves aussi surtout. Voilà quoi. Donc ouais, on va arriver justement à ce qui nous amène ce soir, c'est ça? Donc, donc tu vas peut-être nous présenter, ça, tu as utilisé la vidéo en fait pour. Ouais. Voilà. Alors c'est un projet qui s'appelle les Tutos de Huito. Alors les Tutos de Huito, c'est une chaîne YouTube, ni plus ni moins. C'est une chaîne YouTube qui dont le but est vraiment de promouvoir l'apprentissage de la langue anglaise par le biais de la vidéo. Donc concrètement, ce que je fais, c'est que j'écris des épisodes, je me mets en scène éventuellement, mais en tout cas, je me filme dans mon bureau, à l'endroit où vous me voyez actuellement là. D'accord. J'ai un tout petit bureau qui fait 4 mètres carrés. Et dans cet espace-là, je me filme et j'aborde à chaque nouvel épisode un thème particulier. Qui, alors ça peut être de la phonologie, ça peut être travailler sur un lexique particulier, sur des phrases utiles, sur l'intonation des questions. Enfin voilà, j'aborde à chaque fois un thème différent. Et voilà quoi, donc pourquoi ouais. au départ, pourquoi tu t'es lancé dans la vidéo? C'était pour tes élèves, pour ouais. Alors au tout départ, vraiment le départ du projet, c'est j'étais hyper frustré en fait. Je me souviens vraiment très très bien lors des réunions parents-prof notamment, et aussi avec des discussions d'élèves de fin de cours, on a tous eu ces discussions-là où les élèves viennent discuter avec nous en nous disant qu'ils sont complètement dépassés quoi. Qui n'arrivent pas à se remettre à niveau et moi j'avais pas de réponse à leur apporter. La seule réponse que je pouvais leur apporter à eux ou à leurs parents en réunion parents-prof, quand on a des parents qui viennent nous dire mais mon fils il comprend plus rien ou il a des lacunes, moi j'étais vraiment désemparé et le seul truc que je leur disais c'est dites à votre fils de reprendre ses cahiers de l'an dernier. En gros, c'est ça. Je pouvais prendre du temps pour leur expliquer, je le fais au maximum, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup d'élèves en décrochage et on ne peut pas se démultiplier. Donc, il y avait ce premier constat, qui était vraiment un constat d'échec de ma part, parce que j'avais trop d'élèves et je n'arrivais pas à filer le coup de main pour relancer justement les élèves en difficulté. Donc, ça, c'est une première chose. Et... du coup, je me suis dit, voilà, comment faire pour essayer, quel sera le meilleur moyen pour leur permettre de refaire surface. Et en parallèle à ça, je me suis moi-même retrouvé dans la situation de l'apprenant. Et c'est complètement anodin, mais ça a été un déclic. Alors, vous allez rire, mais j'ai une très vieille voiture. Et cette vieille voiture avait des gros problèmes pour démarrer. Je vous assure que c'est dingue. Une R19 blanche. La batterie était complètement foutue et voilà. Et je me suis dit bon, comme tout le monde ou comme la plupart des gens qui n'y connaissent absolument rien en mécanique, dont je fais partie, je vais aller au garage, je vais lâcher encore 150 € de main-d'œuvre pour changer une batterie. Je me suis dit je suis pas si bête que ça, je vais devoir trouver sur internet comment faire. Donc j'ai dû taper changer la batterie sur YouTube. J'ai vu un mec qui a fait un tuto sur voilà, vous prenez telle clé, vous ouvrez à tel endroit, voilà. Et j'ai changé ma batterie en 2 temps 3 mouvements. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, si je suis capable de changer une batterie, je devrais être capable de filer un petit coup de main aux élèves qui souhaiteraient s'y remettre. Parce que je suis persuadé qu'il y a vraiment beaucoup d'élèves qui aimeraient s'y remettre, mais qui n'ont pas les outils nécessaires pour y arriver. Et on ne peut pas leur offrir, nous, en tant qu'enseignants, tout le temps dont ils auraient besoin pour se remettre à l'anglais. Donc, je me suis dit, voilà, est-ce que ce ne serait pas possible de faire des petites vidéos qui pourraient reprendre, expliquer un fait de langue ou expliquer un truc que j'ai vu en classe ou alors aborder des thématiques que nous, en tant que prof de langue, on reprend sans arrêt. Par exemple, voilà, apprendre à dire l'heure, c'est quelque chose qui est à la fois très simple et très complexe. Et si on n'a pas, les bons outils pour le faire, un gamin tout seul, eh ben, il va pas y arriver ou il va falloir qu'il aura besoin de temps pour le faire. Et donc l'avantage de la vidéo, c'est justement que n'importe qui peut regarder à n'importe quelle heure de la journée, au rythme qui l'intéresse, On peut faire des pauses, on peut revenir en arrière, on peut avancer, bref. On a une vraie liberté de ce point de vue-là. Et c'est comme ça que le projet est né, quoi. D'accord. Donc tu, en fait, dans ton cours, tu disais, j'ai fait une vidéo sur ça, allez la voir, allez la visionner, c'est ça au départ, pardon? Alors non, au départ, c'était un peu un test, quoi. J'avais pas vraiment envie d'en parler au début, donc j'ai fait 3-4 épisodes à la suite sans en parler. Qui était destiné à tout le monde, quoi. C'était pas vraiment. Non, c'était vraiment destiné à mes élèves, mais à la base, c'était destiné à mes élèves. Après, je me suis... Oui, pardon. Juste te couper, parce que justement, on a une intervention sur Twitter de quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, les arts du FLE, vraiment, je ne sais pas qui c'est, et qui nous pose la question suivante en nous disant « Les vidéos sont pour tous les publics, il faut avoir des bases, est-ce que je peux les conseiller à ma mère ?» Donc ça, en fait, effectivement, parce que moi, je vois toutes tes vidéos, là, c'est quand même hallucinant, il y a... Suivant les vidéos, ça va jusqu'à 2915 vues, donc je vais à 3000, plus de 3000 vues. Donc. Mais attends, j'ai une bêtise, 7000 vues même pour l'alphabet. Ouais. Donc ça prouve que... Pour répondre à la question, en fait, au départ, c'était fait pour mes élèves et j'ai été le premier surpris de voir qu'il y a tout un tas de personnes, comme c'était disponible sur YouTube, il y a tout un tas de personnes qui se sont appropriées les vidéos. Et qui ont pris du plaisir à les regarder. Justement, tu as décidé de les mettre public parce que tu sais qu'on peut utiliser YouTube dans des fins plus privées, donc justement. Ouais. T'as tout de suite décidé à les mettre public. Ouais, c'était public au début, mais c'était vraiment, je ne pensais pas honnêtement que ça intéresserait beaucoup de personnes. Et ça reste encore une fois très confidentiel. Hein. Je veux dire, bon, on en parle un petit peu à droite à gauche, tout ça. Mais pour répondre à la question de l'intervenant tout à l'heure, oui, votre mère peut largement aller voir les tutos de Huito et ça lui apprendra des choses, c'est certain. Avec l'évolution de la chaîne, là, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'adultes aussi qui s'abonnent. Et donc, du coup, je fais en sorte aussi de ne pas, essayer de faire quelque chose de le plus ouvert possible, qui puisse parler à la fois aux jeunes ou à la fois à l'adulte, avoir un discours qui soit le plus adapté possible à la situation. En gros, c'est ça, quoi. Mais c'est ouvert absolument à tout le monde. Ouais. Quand tu choisis tes sujets, est-ce que tu les choisis par rapport à des lacunes que tu as repérées chez tes élèves ponctuellement? Est-ce que tu te dis, tiens, ça c'est un thème qui va toucher plus que simplement mes élèves? Parce que bon, là c'est vrai que je vois l'alphabet, je vois Days, Months, Seasons, donc on est plutôt sur des savoirs là. Est-ce que vraiment, est-ce que tu as des vidéos où tu vas plus sur des savoir-faire, sur culture, et pas uniquement sur du contenu pur, hein. Ouais. Alors, en fait, il y a un peu de tout. Il y a en effet des vidéos où c'est vraiment plus lexical, quoi, apprendre à dire les jours de la semaine, les mois, les saisons, tout ça. Et il y a d'autres vidéos où, par exemple, celle que j'ai faite sur le restaurant, là, on est vraiment dans le concret, quoi. C'est aller dans un resto et être capable de commander un plat, de comprendre ce que nous dit un serveur, quelles sont les phrases utiles pour commander à manger, pour commander à boire, pour remercier. Donc là, on est plus dans le côté un peu pratique de la langue, quoi. J'ai vraiment envie de faire un mélange de tout ça, quoi. À la fois apporter une structure, même grammaticale à certains moments, parce que c'est nécessaire, et puis toujours garder ce côté pratique et ce côté aussi amusant, parce que j'ai vraiment envie que ce soit un peu divertissant également. Donc, mais ça l'est, hein, ça l'est. C'est vrai que c'est pour ça que moi j'avais trouvé au départ que c'était presque plus tourné quand même vers un public plutôt adolescent, on va dire, en tout cas, ou vraiment très jeunes adultes. Mais bon, c'est vrai que pour enseigner également avec des adultes dans d'autres contextes, c'est des choses pour les bases qui passent à tous les niveaux. Ma question maintenant, c'est est-ce que toi tu t'en sers pour ta classe, en fait? Est-ce que tu envoies tes élèves dessus? Est-ce que tu t'en sers en classe inversée? Est-ce que tu demandes à tes élèves d'aller voir avant? Ouais, souvent on me demande est-ce que c'est de la classe inversée? Est-ce que c'est de la pédagogie inversée? Et en fait, je crois pas. Enfin, pour l'instant, je l'utilise pas comme ça. Moi, l'utilisation principale que j'en fais en classe, c'est indirect. Je vous donne des exemples concrets. J'ai un élève là qui est en troisième actuellement et qui a été déscolarisé pendant très longtemps et qui est clairement incapable de suivre son niveau, le niveau 3e qu'on demande à la plupart des élèves. Donc ce que je fais avec lui, c'est que du coup, il est dans le fond de la classe, il a la tablette, il regarde les épisodes, et pour chaque épisode qu'il va regarder, il va prendre des notes. Et en gros, il va se refaire un peu une santé en totale autonomie. C'est-à-dire, je lui prépare des fiches après en parallèle pour qu'il puisse essayer de mettre en pratique ce qu'il a vu dans la vidéo. Mais disons que moi, ça me permet de faire mon cours au reste de la classe. Lui, de son côté, d'avoir un contenu qui est adapté à son niveau. Et il se refait petit à petit une santé en anglais comme ça. Sinon, ça peut être plus sporadique, c'est-à-dire, je suis en train de réfléchir, j'ai parfois des élèves qui bloquent sur un point en particulier. Je peux reprendre le point de l'heure, par exemple. Et il m'arrive régulièrement de dire à un élève, bah voilà, tu vas aller voir ce soir tel épisode, tu vas le revoir, tu vas prendre des notes, et demain, on en reparle. Et la plupart du temps, le gamin, il revient le lendemain, il est au point, quoi. Il est vraiment au point. Et du coup, je n'ai pas besoin de passer un quart d'heure, 20 minutes avec lui, parce que justement, il a fait ce truc-là en autonomie chez lui, quoi. Ok, et du coup, Jeff, tu avais une question, peut-être. Vas-y. Je me fais l'avocat. Bon, vas-y. D'ailleurs, mais il existe déjà des tonnes de. Alors, pas forcément de vidéos, je suis d'accord, mais en tout cas de ressources qui peuvent permettre à des élèves de reprendre des choses. Donc, quel est pour toi l'intérêt, justement, de ce format-là, en fait? Je sais pas, mais je trouve ça. Après, je me trompe peut-être, mais je trouve ça cool d'avoir une personne en face, même si, en effet, on est complètement dans du numérique. Mais ma volonté, c'était aussi de créer une sorte de personnage, un petit peu, qui n'était pas vraiment moi, de créer un personnage, de créer des rituels et de mettre les gens en confiance. Et je pense que ce que peut apporter mon projet, c'est justement que les gamins, et pas que les gamins, les gens à qui ça plaît, ils s'attachent au personnage et ils suivent un peu, à la manière d'une série, si vous voulez, ils suivent un petit peu la continuité des épisodes. Et par rapport à une application, par exemple, il y a plein d'applications pour apprendre l'anglais sur les tablettes ou sur Internet. Mais c'est pas pareil parce que voilà, il y a ce côté, mise en scène, ce côté un peu humain qui rentre en jeu. Le fait de faire un peu d'humour aussi, un petit peu de désacraliser cette langue anglaise là qui fait peur un peu à plein de Français. Et donc voilà, je pense que ça apporte un peu de fraîcheur par rapport à des applications qui sont un peu plus neutres, quoi, même si elles sont hyper bien faites. Et en effet, les élèves peuvent progresser grâce à d'autres applications. C'est complémentaire, on va dire. C'est pas du tout une question. Moi, je trouve ça super bien dans le sens où finalement, c'est un format qui existe quand on y réfléchit depuis des années. Rappelons-nous ces vidéos là où il y avait ce petit personnage qui est sur la 5. Je me rappelle, ça passait, c'était Victor, je crois, pour l'engagement, je sais plus quoi. Victor. Donc voilà. Sauf que le fait que ce soit du podcast, que ce soit on peut s'abonner, on touche quand même beaucoup plus de monde. Bah ouais, c'est ça. Bon, c'est quand même mettre en scène. C'est quand même un peu plus funky que Victor, faut dire ce qu'il en est. Donc moi je trouve ça génial et là, quand tu as 7000 vues sur une vidéo, je pense que ça prouve que ça commence à marcher tout simplement. Donc, voilà. Ouais, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe. Après, c'est encore un tout petit truc, mais voilà, je reçois des messages tous les jours, quasiment. Il y a entre 5 et 10 personnes qui s'abonnent tous les jours. Donc voilà, moi ça me convient, quoi. C'est surtout qu'à la base c'était pas fait pour ça. Donc c'est vraiment c'est super chouette de voir que les gens ils aiment bien, ils communiquent dessus, ça se partage aussi. Je crois que ce qui fait aussi la force du truc, c'est que c'est clairement basé sur les réseaux sociaux. Et du coup le fait que ce soit stocké sur YouTube, ça démultiplie la possibilité de voir les épisodes et du coup il y a beaucoup plus de gens qui peuvent y accéder et ça c'est une des forces des plateformes vidéo, quoi. Tout à fait. Et aujourd'hui vas-y Jeff. J'allais parler plus techniquement comment tu fabriques tes vidéos là. Ah, ça c'est très drôle, mais je suis dans l'artisanat complet, hein. Franchement, pour vous dire, cet après-midi, il y a un journaliste d'une télé qui est venu faire un petit reportage sur les tutos. Il est arrivé avec son, son matériel. Il avait une caméra, mais je vous assure, un truc de malade, quoi. Ça rentrait à peine dans mon petit bureau. Et quand je lui ai montré avec quoi je travaillais, il était épaté parce que c'est vrai qu'avec très peu de moyens, on peut réussir à faire quelque chose qui ressemble à, qui a un peu de la gueule, quoi. Donc concrètement, j'utilise mon appareil photo réflexe, d'accord, c'est un bon appareil réflexe numérique. Parce que j'aime bien faire, j'aime beaucoup faire de la vidéo après, vidéo familiale, et puis je fais des petits films comme ça. Et puis ensuite, j'utilise. Alors, je vais vous montrer parce qu'on est vraiment placé au bon endroit. Le green screen comme ça. Oh là là. Hop là. Donc un fond vert, mais fait maison. Je suis un peu la Catherine Laborde du cours d'anglais, hein. C'est-à-dire que je bosse sur un fond vert. Elle est pas morte au fait, non, je dis pas. Non, ça se prend pas, non. Okay. J'ai pas dit Alain Gillot-Pétré quand même. Ouais, donc du coup, je travaille sur un fond vert et puis ce fond vert, il était fondamental dans le projet parce qu'il me fallait un tableau. Et je me voyais pas en fait utiliser un tableau standard parce que techniquement, ça aurait été un peu fastidieux de devoir se retourner à chaque fois. Enfin, je me voyais mal comment faire. Et du coup, j'ai repensé à cette fameuse météo là où on voyait les dames bouger et le fond derrière. Je me dis ça doit quand même être possible techniquement de faire ce genre de truc là et pareil je suis allé voir un tuto sur internet et j'ai trouvé un mec super qui m'a expliqué, qui m'a expliqué, qui expliquait dans sa vidéo, mais je l'ai pris pour moi. C'est intéressant je trouve. Ouais, c'est un lapsus, hein, mais bon. Et qui expliquait vraiment par A plus B comment, quel type de tissu il fallait, quelle manip il fallait faire avec le logiciel de montage pour faire une incrustation. Et je me suis lancé, j'ai fait plein de petits tests au niveau de l'éclairage. Donc j'ai quelques projecteurs que j'ai achetés dans une grande surface de bricolage, hein, rien de particulier, que j'ai monté sur des micros parce que je fais pas mal de musique en plus, donc du coup j'ai bricolé un petit peu. Et voilà, j'ai aussi, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Si, j'ai quand même acheté un petit micro, un micro-cravate. Cravate, oui. Ouais, parce que sur les premiers épisodes, en fait, j'utilise le micro intégré à l'appareil photo, mais le son est quand même assez crade. Donc du coup, j'ai opté pour un micro-cravate qui permet justement de pouvoir se déplacer librement et d'avoir un son qui soit nettement meilleur. D'accord. Okay. Voilà. Donc un épisode, ça te prend combien de temps par exemple je sais pas. Je voyais des épisodes, ils font entre 7 et 10 minutes, je vois tes épisodes. Ouais, ils font entre 7 et 10 minutes, entre 7 et 12. Même 12. Alors, les premiers épisodes, c'était long quand même. Je mettais quasiment 10 heures, 10 heures de boulot pour 10 minutes. Et c'est aussi parce que je ne maîtrisais pas la technique, donc je perdais quand même pas mal de temps à faire des réglages. Avec l'habitude, là, j'en suis à, je dirais, 6 ou 7 heures. 6 ou 7 heures par épisode. Entre le moment où je prends le crayon pour écrire le petit scénario, le temps de filmer et de monter, ouais, faut compter à peu près 6 heures. Donc voilà. C'est un boulot phénoménal, hein. Et du coup, tu te donnes quel délai de réalisation, à quelle fréquence tu sors tes épisodes? Est-ce que c'est réglé, pas réglé? Ouais, j'essaie d'avoir une certaine discipline, d'autodiscipline, parce que je me connais. Donc là, je suis parti sur un rythme de croisière de 2 vidéos par mois. Donc une vidéo tous les 15 jours, à peu près. À peu près. J'ai fait un petit break pendant le mois d'août, enfin juillet-août quand même. Et puis j'ai repris au mois de septembre. Et là, j'arrive à me tenir à peu près à 2 vidéos par mois. Ta chaîne existe depuis maintenant, tu fais ça? J'ai juste commencé fin d'année scolaire dernière, donc au mois de mai-juin de l'année dernière. Donc c'est tout récent, hein, ça a quelques mois. Et après, l'avantage, c'est que comme il commence à y avoir pas mal d'abonnés, tout ça, ça oblige aussi quelque part à assurer derrière et à faire un contenu de qualité. Et voilà. Je pense à quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure. Le gros avantage du podcast vidéo en termes de cours de langue, c'est que clairement, il y a aussi l'aspect phonétique, quoi. Là, vous avez un prof en face de vous qui, voilà, qui oui, maîtrise des options. Comme le TH où tu mets bien la langue devant. Ça, ben voilà, c'est ça. Voilà. Non mais c'est vrai quoi. C'est pas juste délivrer un message, c'est aussi comment on le délivre et on a forcément un rôle modélisant, je veux dire, dans l'apprentissage d'une langue vivante quoi. Ah ouais. Donc ça c'est un aspect vachement important. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça et bon voilà, moi ça me parle beaucoup parce que j'enseigne l'anglais aussi et je peux te dire que je me sers déjà de tes vidéos pour les diffuser aux gamins, dans les liens, dans les leçons à voir et à revoir, parce que bon, je fais beaucoup ça, hein, c'est-à-dire que dans les quêtes textes numériques, à chaque fois, je leur mets pas mal de liens, après ils le font pas, pour l'instant je l'ai fait récemment, mais en tout cas la ressource existe. Et c'est exactement ça, et moi c'est pareil avec mes élèves, parce que c'est hyper dur, souvent on me demande, mais alors ils sont améliorés tes élèves? Mais c'est vachement dur de quantifier ce genre de choses-là. Moi, ce qui me paraît important, c'est que la ressource, elle soit disponible et que l'élève, comme tu disais tout à l'heure, qu'il y aille ou qu'il n'y aille pas, mais en tout cas, s'il veut le faire, si à un moment dans l'année, il a aussi un peu un déclic en se disant « faut vraiment que je m'y mette » et tout ça, il a cette possibilité-là, cet accès complètement libre à cette ressource. Et ça, je pense que c'est important. Et c'est en plus un média qui maîtrise bien, quoi. Enfin, YouTube, ils savent directement où aller. Il n'y a pas de login, il n'y a rien. C'est un accès vraiment direct. Tout à fait. Voilà, bah, écoute, c'est un sacré projet, moi je trouve. Félicitations parce que. Oui. Vraiment, merci. Non. C'est cool. Je m'amuse beaucoup. Hein. C'est vraiment. Et puis un bon acteur en plus. Hein, je vois beaucoup de l'humour. Vraiment. J'ai vu celui sur les saisons là. J'ai bien aimé ton. Ah ouais. Puis je m'amuse avec des petits effets, spéciaux. Voilà. À Hollywood, ils sont assez jaloux. Mais je me doute. Ouais, ils sont là, mais ils essaient de piquer mon fond vert là. Tu montes avec quoi du coup, si on parle un peu technique hein. Un peu technique, je monte avec ça, c'est Sony Movie Platinum. Sony Movie Platinum. C'est l'équivalent de c'est l'ancien, ça s'appelait c'est pas Vegas, Sony, non Vegas. Voilà. C'est le nouveau Vegas en fait. D'accord. C'est une version grand public. Mais que j'ai payé, j'ai acheté ça 60 € je crois, ou 70 €. Donc c'est vraiment, c'est pas un gros truc à 500 €. Et ça permet de faire tout ce que je fais là. Donc largement, je monte tout avec ça. C'est moins cher qu'un Premiere ou qu'un... Ouais, largement. Aucun Final Cut et pour tes besoins, ça suffit largement. Quoi. Ouais. Après, ce qu'il faut quand on monte de la vidéo HD, on va pas rentrer trop dans les détails, mais il faut un ordi, il faut puissant, un PC puissant avec un processeur. Donc du coup, j'ai pas eu trop le choix que de monter ma tour moi-même, en choisissant un peu les différents composants. Voilà, je cherche le mot. Et pour avoir un ordi qui tienne, quoi. Nous avons un dernier petit message de notre ami qui nous suit, qui nous dit, est-ce qu'une progression est envisagée? Est-ce qu'il y a un ordre de lecture? Et surtout, est-ce qu'on peut bosser sur la prononciation de Jeff? Tout est possible. Comment ça? J'ai pas une mauvaise idée. Pardon. Ouais, donc c'est effectivement quelqu'un qui arrive. Et en fait, est-ce que tu les construis dans un ordre prédéfini? Est-ce que c'est vraiment des faits de langue que tu proposes comme ça? Non, globalement, alors je sais pas. Les premiers épisodes étaient vraiment basiques. On reprend les bases. Après, je crois que petit à petit, j'essaie d'augmenter un peu le niveau en essayant justement de faire en sorte que des gens qui connaissent déjà un peu l'anglais, ils trouvent quelque chose aussi, parce que c'est pas le tout de faire quelque chose pour des débutants, vraiment des gros débutants. Dans ces cas-là, la personne qui s'y connaît déjà un peu ou qui a des bons restes de l'école va se dire bah non, tout ça je connais déjà. Donc j'essaie toujours d'apporter une petite nouveauté ou des détails qui font que la personne qui regarde, elle aura gagné quelque chose à avoir regardé l'épisode. Après, il n'y a pas d'ordre défini. Les épisodes sont notés de épisode 1, épisode 2, épisode 3, donc il y a quand même un avancement logique. Comme la guerre des étoiles. Ouais, un petit peu, voilà. Et du Star Wars. Hein. Star Wars, ok. Repeat after me. Star Wars. Oh, Star Wars. Star Wars. Ouais, Star Wars, c'est très bien. Épisode 1. Donc, non, il n'y a pas de... d'ordre spécifique, si ce n'est l'ordre d'apparition des épisodes. Voilà. Bon, bah écoute, ma foi, vraiment très beau travail, longue vie à ce podcast, et j'espère que tu te lasseras pas, ou en tout cas que tu continueras à mettre la même qualité dans et l'énergie. Hein, ah ouais, non, mais je vais pas m'arrêter là. Hein. J'ai plein d'idées, plein d'idées, mais j'ai pas le temps. En fait, j'ai pas le temps de faire, tout ce que je voudrais. Mais bon. Voilà. Et quelles sont tes futures vidéos là en préparation? Alors je pars à Londres en fait dans quelques jours là, mais alors c'est un voyage que je fais avec mes élèves, donc voilà, je vais être très pris, mais le soir et à certains moments de la journée quand les élèves sont par exemple en temps libre et tout ça, je vais pouvoir, je pense, m'amuser un petit peu, et puis je vais essayer d'interviewer des gens dans la rue, essayer de leur poser des petites questions, voilà, essayer de leur faire dire les tutos de Huito, tout ça. Et je pense aussi que je vais... alors, j'ai un épisode en préparation dans un supermarché. Parce qu'en fait, je me suis dit, ce serait vraiment cool d'aller faire ses courses et de pouvoir parler justement de, bah voilà, qu'est-ce qu'on met dans un caddie, quoi. Quand on va faire ses courses, comment prononcer un poivron, comment prononcer des tomates, enfin, c'est des choses toutes simples que j'aurais du mal à faire dans mon bureau. Donc là, tu vas essayer de faire des choses un peu plus live, quoi, un peu plus... Alors du coup, ouais, en tout cas, j'ai ce projet-là d'essayer de sortir un peu du bureau, et puis éventuellement, bah, pas systématiquement, mais ça pourrait être marrant, ouais, d'aller faire un petit tour à l'extérieur, et puis de faire des épisodes qui changent un petit peu de l'ordinaire, ouais. Mmh. Mais c'est pas les idées qui manquent, hein, ça, je vous rassure. Ouais, et puis j'imagine que tu as dû vouloir aussi d'inverser la caméra et de faire des choses avec tes élèves aussi. Ouais. Alors du coup... J'en ai vu une en plus, justement, hein, sur une chanson, je crois. Hein. Ouais. Bah, c'était rapport avec la vidéo Cup Song qu'on avait faite, que j'avais réalisée avec un collègue il y a 1 an et quelques. Donc là, on s'était filmé avec les élèves en train de jouer de la musique, et c'est une vidéo qui a été, vue, on en parlait tout à l'heure, dans plus de 150 pays dans le monde. Donc c'était vraiment un projet absolument éblouissant à faire avec des élèves. Vas-y, explique un peu plus cette histoire de Cup Song là. Alors, en gros, la Cup Song, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chanson qui date des années 30 à la base, qui a été reprise dans un film d'Hollywood très connu. Et il y a une chanson dans ce film, donc c'est la Cup Song, c'est une jeune fille qui utilise un gobelet en plastique et qui fait une percussion avec et qui chante par-dessus. Et en fait, j'avais vu une vidéo qui avait été tournée dans un collège irlandais où le prof avait eu l'idée géniale de faire chanter ses élèves, en gaélique pour le coup, en langue irlandaise, sur cette chanson. Et je me suis dit, ouais, s'il est capable de faire ça, ça devrait pouvoir le faire en anglais aussi. Et comme je suis musicien moi-même et que j'aime bien chanter et tout ça, je me suis dit, tiens, je vais proposer ça à mes élèves. On va prendre les 105 élèves de 3e de cette année-là, toute une promo. Et je vais leur apprendre la chorégraphie, je vais leur apprendre à chanter en anglais, du coup. Et puis, on va faire un clip vidéo, quoi. Donc, on a commencé à la Toussaint et on a sorti le clip à Noël. Donc, en fait, pendant 6 semaines, on n'a fait que ça. Et on a tout tourné avec nos petits moyens dans le self de notre école, de notre collège. Et le résultat, voilà, le résultat, faut aller le voir. Où c'est quoi, justement, on peut le voir? Plus simple. Alors on tape, l'idéal c'est sur YouTube, vous tapez Cup Song Jean Monnet. Cup Song Jean Monnet, et vous allez tomber dessus tout de suite. On mettra le lien. Ouais, vous mettrez le lien. Ouais. Et puis voilà, ça a été une expérience fantastique parce qu'une juste une petite idée a germé, et ça a fait en sorte que même les gamins les plus réticents, imaginez quand même, je suis arrivé un lundi matin en disant à mes élèves de 3e, pas très réveillés, bon les gars, on y va, on va taper dans des gobelets. Ils m'ont regardé comme ça, du style, mais il peut bien, lui, il a passé un bon week-end. Et en fait, au final, ils se sont pris au jeu parce qu'ils ont vu que ça ressemblait à quelque chose et qu'on allait en faire un clip. Et que... Donc, on a vraiment créé tout un projet autour de ça. Et quand la vidéo est sortie, et ben, ça a fait, ouais, ça a fait un joli buzz. Et on est passé dans plein, voilà, dans plein de médias, dans, à la télé, tout ça. Et ça s'est éparpillé, comme c'était une vidéo en anglais. Ça s'est éparpillé dans le monde entier, quoi, dans 150 pays. Donc c'était vraiment, ce moment était magique avec les élèves quand on a vu sur le Google, sur notre compte YouTube, il y a moyen de savoir dans quel, il y a une carte du monde et on a moyen de savoir dans quel pays la vidéo a été visionnée. D'accord. Il y avait même au Groenland, il y avait même quelqu'un qui avait regardé la Cup Song qu'on avait faite, quoi. Donc tu te dis c'est voilà, c'est vraiment génial et puis ça a fédéré tous les élèves et ça leur a montré que dans un collège, on était capable de se mettre ensemble et puis de faire quelque chose de commun, quoi, juste une expérience collective. Et puis linguistiquement, c'était super cool de les faire chanter en anglais. Oui, et, puis, et le résultat est, ouais, est réussi, je crois. Ben, il l'est en tout cas. Bravo. Donc voilà. Bien. Eh ben écoute, merci pour ces infos. On avance sur nos trucs, Jeff, ou on... Ouais, bah, en tout cas un beau projet, hein, donc les tutos de Huito. Voilà. Ouais. Donc toutes les notes seront dans l'émission, les notes de l'émission seront toujours comme d'habitude mises en ligne, donc les gens pourront directement aller voir ton travail. Bravo. Cool. Bravo. Merci en tout cas. Hein. Bah, de rien. Est-ce que, donc dans notre rubrique pour parler d'autre chose, est-ce que tu aurais quelque chose voilà. Tu as envie de parler, Stéven? Comme ça, là? Est-ce que tu as prêt? Il prend pas court, c'est comme ça. Ouais, alors, on te laisse un petit moment si tu veux. Ouais, non, j'allais dire, sinon j'ai fait un joli film, c'était pas mal. Mais... non, je vais réfléchir un petit peu. D'accord, je vous laisse envoyer. Alors, moi, je vais juste parler d'un petit truc sympa qui s'appelle. Figaro ou le Gorafi. Alors je sais pas si vous connaissez le Figaro, je ne présente pas hein, le journal le Figaro. Et le Gorafi, je sais pas si tu connais, enfin si vous connaissez, c'est voilà, c'est un pastiche, on va dire, du Figaro. C'est voilà de fausses informations. Et il y a un petit jeu là qui est assez sympa à faire. C'est sur figarovsgorafi.fr. Vous tapez et c'est pour voir un petit peu si vous êtes si vous avez la bonne solution. Est-ce que l'information qu'on vous donne, si c'est plutôt Figaro ou si c'est plutôt Gorafi, si c'est plutôt vrai ou si c'est plutôt faux, hein. Donc voir un petit peu si vous savez la bonne information. Voilà, je vous le conseille. Donc figarovsgorafi.fr, c'est assez sympa à faire. Voilà. C'est très drôle. À mon tour, eh bien moi je vais vous parler rapidement d'une photo qui est sortie il n'y a pas très longtemps, une photo de la NASA. Moi je suis assez branché espace, en fait j'aime bien, ça me fascine en fait, c'est plus que je n'y connais pas spécialement grand chose par rapport à certains bien sûr, mais je suis assez fasciné par tout ce qui se passe au-dessus. Et la NASA a sorti la plus grosse photo jamais prise, hein, qui a été prise en fait par Hubble, hein, bien sûr, et qui est en fait un montage de je ne sais plus combien de photos, 411 images. Et c'est une photo qui pèse quand même 4 gigas pour ceux à qui ça peut parler. Hein. Aujourd'hui, une photo de très bonne qualité sur un appareil photo, même qui fait 14 millions de pixels, bon voilà, c'est des photos qui arrivent à tenir une dizaine de mégas et c'est déjà énorme, la moyenne est plutôt basse, plutôt en dessous de ça, je veux dire. Et là, donc, elle fait quand même 4 gigas avec une résolution, accrochez-vous bien, de 1,5 milliard pixels. Et en fait, ils ont pris, l'idée, c'était de prendre, voilà, la galaxie, plus que la galaxie d'ailleurs, 100 millions d'étoiles, on peut voyager en fait dans 40 000 années-lumière. Donc la photo, bien sûr, on ne peut pas la voir directement. Par contre, il existe une vidéo qui explique comment ils l'ont prise, comment ils l'ont montée, et vous pouvez quand même voir la qualité, c'est vraiment énorme. Donc les notes de l'émission partageront le site où vous pouvez voir cette vidéo. Vraiment, ça vaut le coup d'œil, c'est fantastique, c'est très beau. Moi, je trouve ça déjà très beau, des photos de l'espace comme ça, donc à voir. Voilà. Pour la voir Et ben pour l'avoir, le lien n'est pas forcément super sexy à donner à l'antenne, dans le sens où il est très long, donc tu le mettras dans les notes de l'émission, non? Bon, ça marche, pas de souci. Sinon, je pense qu'en tapant quelques mots-clés du style NASA et The Largest Picture, vous allez normalement trouver dessus, voilà, quelque chose. L'intérêt de ça, c'est quoi? C'est qu'on peut aller voir n'importe où sur la photo, c'est ça, très ouais, loin. Voilà, et puis rien que pour la prouesse technique de la photo, c'est vraiment quand même hallucinant. Hallucinant de voir ça, quoi. Voilà. Ok, ça marche. Stéven, tu avais quelque chose? Ouais, t'as eu le temps? Ouais. En fait, alors donc on peut parler en fait de ce que l'on veut. Chose. Ok, et ben je vais vous parler d'une personne qui est assez peu connue en France et c'est bien dommage. Cette personne, elle s'appelle Jamie McDonald. C'est un Anglais de Gloucester qui a une trentaine d'années. Et ce jeune homme a traversé le Canada en courant, donc c'est l'équivalent de 150 marathons en moins d'un an, déguisé en super-héros, je le précise. Donc c'est une prouesse physique incroyable. Il a traversé dans des conditions déplorables, c'est-à-dire que voilà, des conditions climatiques folles. Et il le fait pour donc c'est un homme qui, quand il était enfant, a passé beaucoup de temps dans les hôpitaux. Exactement. Et c'est un peu sa revanche sur la vie. Et il fait ces courses là, c'est pour ramasser de l'argent, d'accord ? Et donc, son objectif, c'était ça. Il a mis sa main dans l'océan Atlantique au départ, il s'est filmé et il a couru comme ça pendant un an, tous les jours, un marathon, vous imaginez un marathon par jour, sur les routes, sur les autoroutes, voilà, sans s'arrêter, c'est absolument génial. Et voilà, vous pouvez, en tapant Jamie McDonald, vous allez trouver sa chaîne YouTube et il a plein de projets, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux, j'en ai parlé à mes élèves l'année dernière, on a fait quelques cours là-dessus et voilà, je trouve que c'est absolument incroyable que des gens puissent faire ce genre de choses à l'heure actuelle, voilà, ça donne un peu foi en l'humanité. Il est super drôle. Ouais, en plus. Et voilà quoi, il se fait. En fait, pour lui, c'est un part-time superhero, donc voilà, c'est un super héros à mi-temps, quoi, on pourrait dire. Ouais. Et, mais je vois qu'il y a une affiche là. Il avait une. Ouais, voilà, ouais, tiens, mais tu l'as dit. Il avait un problème de colonne vertébrale quand il était jeune et. Ouais. Voilà, c'est une belle revanche et puis. Alors bon, le seul problème, c'est que bon, là, c'est des profs d'anglais qui parlent, donc forcément, toutes ces vidéos, elles sont en anglais et c'est pas forcément facile d'accès. Mais voilà, ça, je crois que c'est quelqu'un qui mérite d'être connu bien plus que certaines autres personnes. Il est très méritant et il a en effet beaucoup d'humour et. C'est une belle personne, voilà. Donc pour les profs d'anglais ou même d'autres personnes intéressées, il y a un documentaire qu'il a plus ou moins filmé, puisque c'est lui qui s'est filmé pendant sa course, qui est sorti sur la BBC et qui doit être peut-être disponible en DVD ou même sur Internet, certainement. De toute façon, voilà, vraiment à voir et à revoir. Voilà. Ok, ben, très bien. On arrive à la fin de cette émission. Ouais, ben on va passer au... Comme d'habitude, si on veut te retrouver, Stéven, c'est quoi le plus simple? C'est le moment où... Le plus simple, c'est de taper les tutos de Huito n'importe où, sur les moteurs de recherche, ça arrive tout seul. La page Facebook des tutos de Huito, elle fonctionne bien. C'est une manière un peu plus directe de rentrer en contact avec moi parce que bah, c'est beaucoup plus facile voilà, de laisser des messages et de communiquer. Si vous avez des questions, des suggestions même, voilà. Tout sera disponible sur la page Facebook. Et puis voilà. Bon, on mettra ça dans les notes de l'émission en tout cas. En tout cas, pour nous, donc e-Teachers.fr, e-Teachers.fr toujours. On peut toujours s'abonner via notre mail qui est e-Teachers.fr@gmail.com pour ceux qui préfèrent. On est sur iTunes, on a toujours notre Facebook, communauté Google+. Et si on veut nous contacter directement, c'est Twitter, moi plus simple, c'est Jeff8342. Guillaume? Moi c'est compliqué, mais je vais le redire encore à chaque fois parce que je l'ai encore pas changé. C'est arrobas donc @willow, donc W-I-2-L-O, le tiré du 8 underscore et teach comme enseignant, enseigner en anglais. Voilà, Willow Teach. Voilà, merci en tout cas à toi, Stéven. Ben non, merci à vous de m'avoir convié à votre petite discussion, c'était bien sympa. Et puis, bah, certainement, à une prochaine sur les zones de e-Teachers. Merci à tous. Bye bye.